Je m'appelle Ivan Lopez Montero. Je suis physicien à la base et je me suis spécialisé en biophysique moléculaire à l'Université de Paris 7. Et je travaille toujours dans le domaine de biophysique des membranes. Après un an de 2A à l'Université Paris 7, j'ai obtenu une bourse du gouvernement français, du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur pour réaliser une thèse avec le professeur Philippe Devaux à l'Institut de biologie physico-chimique de Paris. Et c'est comme ça que j'ai passé 3 ans après mon 2A. Ma rencontre avec la langue française, c'était un petit voyage que j'avais réalisé en 1996, je crois, si je dis bien. Pendant une visite culturelle à Paris, j'ai vu que cette ville offrait ou offre toujours aujourd'hui des possibilités extraordinaires aux gens qui, du point de vue intellectuel, du point de vue culturel, est vraiment très, très grande. J'étais vraiment très surpris par le fait que la science et le monde intellectuel de manière générale était très perméable à la société de manière globale. C'est-à-dire que les institutions scientifiques, les universités, les chercheurs sont très présents dans la société. La France permet aux étudiants étrangers aussi de développer ou démarrer sa carrière scientifique. Et pas seulement ça, mais en particulier en France, ils vont trouver, à mon avis, et d'après mon expérience, un pays qui va donner pas seulement une opportunité du point de vue professionnel, mais aussi du point de vue intellectuel. Donc ils vont trouver dans mon domaine des chercheurs ou des professeurs ou qui ont vraiment le goût de faire des discussions scientifiques, de pousser jusqu'au bout un projet scientifique et donc dans ces cas-là, ils vont trouver ces étudiants l'opportunité de s'épanouir personnellement et professionnellement.